Allez, bonjour à tous, c'est enfin les vacances de printemps. On attaque les stages de pêche pour les jeunes partout sur le département. Là on est sur le panneau des Coutils, il pleut, où on va essayer de faire 2 jours de stage avec un groupe de jeunes bien motivés et on va essayer de voir s'il y a des carpes dans ce plan d'eau. Allez, c'est parti. Salut Esteban, comment tu t'appelles? Esteban. Bon, t'es content d'être là? Très content. Ok, t'attends... Qu'est-ce que tu pêches d'ailleurs? La carpe, et la prochaine elle est pour moi. Ok, c'est ton tour la prochaine fois? Ouais. Ok, donc t'es motivé? T'es prêt à courir si c'est la canne de tout à fait au fond là-bas? Je pense. Et donc, comment ça se passe quand il y a une touche? Ben, naturellement ça bip très fort. C'est quoi qui bip? Et le détecteur. Et après quand ça sonne, t'y vas, tu prends la canne? Oui. Et tu fais quoi? Et je remonte, je mouline. Ok. Et je desserre le frein s'il y a besoin. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter les appâts pour la carpe. Donc il existe plusieurs sortes d'appâts. Le maïs, il peut être artificiel comme celui-là ou du vrai maïs. Ensuite il y a aussi des bouillettes. Donc ça c'est des bouillettes, ça veut dire que ça coule. Ce sont des petites boules avec différents ingrédients. Il y a aussi des pop-up, c'est pareil sauf que ça flotte. Il y en a de plein de couleurs et de plein de parfums différents. Et aussi les noix tigrées. Un peu comme celle-là. Ça, c'est un bon appât, surtout dans les lacs de l'écoute s'il pleut. Et ça s'appelle une noix tigrée parce que ici, là, il y a des styles de petites rayures, comme ici. Victor, tu t'es inscrit au stage pour pêcher quoi? La carpe, en priorité. Et alors, t'en as pêché? Oui. T'as pêché quoi? Une carpe commune. Bien. Une grosse? Oui. Combien? 7,8 kg, je crois. 7,8 kg? Ouais. Pas mal. Pas mal. C'était la première qu'on a pris d'ailleurs? Oui. C'était hier matin? Non, hier à 1h. Hier à 1h, ok. Quand on était en train de manger? Oui. Classique. Et là, il y a Esteban qui nous disait s'il y a une touche. C'est toi qui prends l'épuisette? Oui. Ok. Et ah, mais il y a une touche. Bon les gars, ça mord? Non, pas du tout. Pas du tout. Y'a pas une touche encore? Non, aucune. Rien que dalle. Mais vous avez mis des bouillettes ou quoi? Bah oui. Julie, on a pas mis donc. Parce que si on met pas de bouillettes au bout de la pioche, on va pas l'attraper hein. Si on a Jules. Vous avez mis des bouillettes ou des pop-up? Vous avez mis des graines, des bouillettes ou des pop-up? Des pop-up, des graines, des trois. Des trois sur le même hameçon?
Non, oui, si, si, Jules, il en a mis sur le même hameçon. Sur chaque. Alors moi je vais vous présenter comment faire un stick, stick mix. Alors on aura besoin de ces deux accessoires, le tasseur et les sticks. Alors en premier on va prendre un peu de stick qu'on fabrique, on le met dedans, on fait le nœud, après on tasse avec le tasseur, comme ça. Ok. Après on le coupe. Ouais. Après ça donne ça. Ok. Avec ça, on va le piquer. Ouais. Donc, on peut. Il y a un petit truc qu'on va ouvrir. On le perce. Aïe, ouf. Ça peut faire mal. Attention. Allez. Voilà. Et après, on le met sur un bas de ligne, sur la canne à carte. Ok. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. Comment est-ce que ça fond Parce que quand on le jette dans l'eau, ouais. En fait c'est du tissu, donc quand on le jette dans l'eau, ça va fondre. Ah, ça fond. Et ça pète les cartes. C'est soluble alors? Oui. C'est vrai, ça fond? Oui. Nous on a découvert le lac, on le connaissait pour la pêche au cou et la pêche au pinard on ne le connaissait pas du tout à la carte. Finalement c'est chouette, on a pris pas mal de poissons. Retenez, qu'est-ce qu'on va retenir du stage? Pensez toujours au réglage du froid de la canne. Vous avez compris, à la carte c'est hyper important. Même quand vous posez votre canne, à bien desserrer le frein. Si on oublie de desserrer le frein, qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir une touche? La canne tombe. Donc réglez bien votre frein, n'oubliez pas. Même quand on a un poisson, vous avez vu, hein, on prend son temps, quand le poisson a envie de repartir, si le frein est desserré, ça le fait repartir tranquille. Pensez, bon les appâts vous avez compris, oui. On en a parlé pas mal, ça c'est important aussi. Sur la manipulation des poissons. Faut bien humidifier l'environnement. Bon, vous avez vu, sans trop se prendre la tête quand même, on arrive à attraper des poissons. Avec un plomb, un petit bas de ligne et ça. Le nœud sans nœud, on l'a vu hier, tout le monde sait le faire. Oui. C'est un montage hyper simple. Donc retiens, vous faites d'abord la boucle, ensuite on passe dans l'œillet de la meçon, on vient entourer et on repasse une deuxième fois dans l'œillet. Et voilà. Et puis après, c'est quand même pas mal, on a fait 5 ou 6 poissons. 5. 5 poissons en 2 jours. Dommage qu'on n'en ait pas fait 6. Ça aurait été parfait d'en faire tout. Maintenant. Bon.